Xin chào quý vị khán giả của chương trình ACTV, chương trình do trang tin điện tử kiếmviệt.net thực hiện. Và ngày hôm nay thì Lan Oanh rất vui mừng khi được gặp gỡ và trò chuyện với một kiến trúc sư đến từ nước ngoài. Xin trân trọng giới thiệu kiến trúc sư, giám đốc phát triển châu Á Thái Bình Dương của Huni Architect, ngài Pierre Huyat. Xin chào. Thưa ngài có thể giới thiệu đôi nét về công ty Huni cho khán giả được biết được không ạ? Bien, Uni Architecte est une société française d'architecture qui est basée à Toulon, dans le Var. Et nous avons ouvert une succursale, une agence à Da Nang, au Vietnam, il y a environ 3 ans. Je parle ici au nom de l'équipe qui est à Da Nang et en France aussi. Donc nous avons une idée, on est d'accord sur une idée générale sur le développement de l'architecture et nous mettons en valeur chaque talent particulier des membres de l'équipe. Những công trình của Huni thì thực hiện thường dựa theo xu hướng thiết kế nào là chủ yếu thưa ngài? Oui, donc nous ne faisons pas de style historique. On ne fait pas de classique non plus, surtout pas. En fait, nous faisons du contemporain. Les architectes font toujours du contemporain. Et nous nous basons plus sur la sensibilité ou l'émotion que sur toute autre tendance. Vừa qua thì đồ án của Huni Architect đã đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế tòa nhà điều hành khu công nghệ cao và cổng vào khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ngài có thể cho biết ý tưởng hình thành nên dự án này là từ đâu được không? D'accord. Donc, l'image iconique du High Tech Park, nous avons retenu l'icône du e-cloud, parce que c'est une image très, très, très répandue et qui est très symbolique. Donc, cette image de l'e-cloud, on l'a développée autant pour le master plan que pour les plans, sur les façades également, et on va même l'utiliser en interior design sur des points de détail où on va garder cette image. Ça, c'est pour l'icône. Pour le reste, nous avons choisi de faire un bâtiment très très neutre, très passif au niveau énergie, en contrôlant tout ce qui est apport solaire, en optimisant les ventilations verticales, horizontales. Pour le contrôle solaire, nous avons adopté des louvres verticaux que l'on oriente en fonction d'un software de diagramme solaire qui nous permet d'éviter tous les apports solaires sur les vitres du bâtiment. Donc, pour ce projet Actec Park, nous travaillons avec le système BIM depuis les premiers plans, les premiers drawings jusqu'à l'achèvement du projet, et même le système ville va être utilisé par la suite pour les gens, pour les gestionnaires de l'immeuble. Le système va. Et dans la mesure où nous avons conçu un bâtiment passif, nous avons l'intention et nous allons demander à avoir l'agrément de Lotus pour ce bâtiment, afin d'être une première référence dans le centre Vietnam. Theo ngài nghĩ thì thị trường ở Việt Nam có điều gì đáng chú ý để thu hút được nhà lãnh đạo của Huni Architect mở chi nhánh văn phòng tại đây ạ? Le Vietnam a de gros avantages. Le Vietnam a un taux de croissance très important. C'est un pays émergent. Il a une pyramide des âges avec un pays extrêmement jeune. Il y a tout à faire. Les équipements, les infrastructures, les bâtiments. Le secteur du tourisme est florissant. Tout ça, c'est des bonnes raisons pour venir ici. L'autre raison pour laquelle nous sommes décidés, c'est qu'au sein de l'équipe, il y a quelqu'un qui est vietnamien et français, et qui est donc un peu notre ambassadeur, et qui nous apprend à aimer le pays et qui nous a décidé de venir ici. Trong những kế hoạch sắp tới thì Huni Architect có dự định mở rộng thị trường ra những đâu? Ben, nous sommes au Vietnam, nous sommes au cœur de l'ASEAN. Donc, le Vietnam est un peu notre camp de base. Donc, dans un deuxième temps, nous allons développer dans tous les pays de l'ASEAN autour du Vietnam. C'est le. Ngài nghĩ như thế nào về kiến trúc xanh? Đây có phải là cái xu hướng thiết yếu ở Việt Nam hay không?
un architecte japonais très célèbre, Tadao Ando, a dit l'air conditionné est une bonne réponse à une mauvaise question. Ce qui veut dire que la technologie ne doit pas être mise en avant tout d'abord. Le Vietnam, il n'est pas nécessaire de développer le green au Vietnam, c'est indispensable. Le pays ne peut pas se permettre de baser uniquement sur la technologie. On doit d'abord réfléchir et concevoir les bâtiments avant d'adapter des produits. Plein de gens au Vietnam ne comprennent pas ce que veut dire gris, vert. Les gens pensent que c'est la couleur, d'autres qu'il faut mettre des arbres. C'est bien autre chose que ça. C'est d'abord ne pas gâcher et rééquilibrer un peu, beaucoup même. Donc la différence avec beaucoup d'autres pays, c'est que le Vietnam ne subventionne pas, il n'y a pas de tax incentive, il n'y a pas d'aide pour le green. On a vu, il est arrivé, j'ai vu il n'y a pas longtemps que l'État favorisait la production d'électricité, donc on sent qu'il y a un premier pas et je pense que ça va développer. Et en tant qu'architecte étranger, j'espère que à la fois les médias et le gouvernement vont continuer sur cette lancée. Vậy thì với cái thời gian mà ngài đã sống ở Việt Nam, làm việc ở Việt Nam, thì ngài suy nghĩ như thế nào về con người Việt Nam, các kiến trúc sư trẻ Việt Nam và có lời nhắn nhủ gì đến các sinh viên kiến trúc Việt Nam hay không? Bien. Le premier constat, les jeunes architectes vietnamiens sont étonnants. Ils sont extrêmement doués. Moi, je les trouve extrêmement doués, extrêmement brillants. Et je constate qu'il y a aussi une nouvelle génération de jeunes architectes vietnamiens qui font des choses très très intéressantes et qui ne suivent pas les tendances générales, justement, qui ont leur propre écriture, leur propre conception et qui est extrêmement intéressante. Et ce que je dirais aux jeunes architectes, aux étudiants, c'est n'ayez pas peur des clients, n'ayez pas peur de défendre vos idées de conception, battez-vous, osez, ça vaut la peine. Vâng, thưa quý vị, với thời lượng vừa rồi của chương trình thì chúng tôi rất mong đã có thể đưa đến những chia sẻ rất là chân thành và cởi mở từ ngài Pierre Huyat. Và xin trân trọng cảm ơn ngài một lần nữa đã tham dự chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.